Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une revue afin de vous présenter deux modèles de mini hachette, la Fiskars X5 et la Grand Force Brooks mini hachette. Il s'agit de deux excellents modèles de mini hache que nous allons tester et comparer dans des conditions les plus équitables et les plus objectives possibles. Tout d'abord, leurs caractéristiques techniques. La Fiskars X5 a un tranchant de 7 cm pour 6 cm sur la Grand Force. La longueur totale de la X5 est de 22,5 cm, alors que la Grand Force fait 4 cm de plus, soit 26,5 cm de long. Leur poids, la Fiskars pèse 540 g avec l'étui et 475 g seule. Quant à la Grand Force, elle pèse 390 g avec l'étui et seulement 350 g seule. Enfin, la taille de leur marteau, qui est vraiment similaire. Le modèle de X5 que je vais tester dans cette vidéo est l'ancienne version, car les nouveaux modèles de chez Fiskars sont tous équipés d'un manche orange qui permet une meilleure tenue. L'ancien étui tissu a été remplacé par un étui rigide, comme celui-ci, qui offre une bonne protection. Mais malheureusement ne permet plus le port à la ceinture. La Grand Force, quant à elle, est équipée d'un petit étui en cuir qui va permettre un port à la ceinture. Il permet de s'emparer facilement de la hachette, ça peut même se faire à une seule main. Il faut cependant bien penser à remettre la pression pour ne pas perdre l'étui. Ce système est suffisamment fiable pour pouvoir se déplacer, même sur un terrain escarpé, sans risquer de perdre sa hachette. Nous allons à présent tester le tranchant. Je sais qu'on cherche rarement un tranchant rasoir sur une hache, par contre, sur un petit modèle comme celui-là, ça peut être un vrai plus pour tous les petits travaux de sculpture par exemple. La Fiskars offre un tranchant tout à fait correct, mais que l'on ne peut pas vraiment qualifier de rasoir. Testons à présent la Grand Force. On voit que cette fois-ci, le tranchant est vraiment rasoir, c'est impressionnant. Nous testons à présent les hachettes sur du travail de petit ébranchage. La X5 fait parfaitement le travail. Testons à présent la Grand Force qui fait également très très bien le boulot. Nous allons à présent passer à une petite épreuve de refonte de bûchette. On voit que sur des petites bûches, les deux modèles font parfaitement le travail. Passons à présent sur des modèles de bûchettes un petit peu plus gros. Là aussi, aucun souci, les deux petites haches font parfaitement le boulot. Nous allons à présent essayer de refendre des morceaux de bois un petit peu plus longs. On voit que la taille du manche de la X5 est vraiment très court et qu'il va nous compliquer un petit peu la tâche.
Les 4 cm de longueur supplémentaires sur la grande force feront une vraie différence pour ce type de travaux. Nous allons maintenant mettre les hachettes à l'épreuve sur une plus grosse section. Je suis d'accord, ce type de hachettes ne sont pas vraiment prévues pour s'attaquer à des grosses sections, car ça prendrait vraiment beaucoup de temps. On voit que dans les deux cas, les hachettes permettent de dégager de gros copeaux de bois. Avec beaucoup de patience, il sera sans doute possible de venir à bout d'une section importante. Nous allons à présent tester les hachettes sur une tâche beaucoup plus minutieuse et délicate, comme la réalisation de Featherstick. On voit que cela est tout à fait réalisable avec la Fiskars. Cependant, l'excellent tranchant de la Grand Force permet de réaliser des featherstick beaucoup plus fins et bien plus facilement. Elle sera également bien plus efficace pour tous ceux qui aiment faire des travaux de sculpture. Pour finir, la prise en main, qui est vraiment excellente sur les deux modèles. Par contre, le manche de la X5 peut être un petit peu glissant lorsqu'on a les mains mouillées, y compris sur les nouveaux modèles orange que j'ai testé à plusieurs reprises sur une X7. Pour faire un bilan, je dirais que la X5 est une excellente hachette, très compacte et surtout que l'on peut se procurer à un prix très raisonnable, puisqu'on peut la trouver aux alentours d'une trentaine d'euros. La Grand Force Brooks, quant à elle, offre beaucoup d'avantages sur la X5. Son poids, 150 grammes de moins, son étui très fonctionnel, son tranchant rasoir, son manche plus long avec un meilleur accroche. Par contre, son principal défaut, c'est le prix, puisqu'elle coûte près de 3 fois plus cher qu'une X5. Pour une Grand Force Brooks mini hatchet, comptez entre 90 et 100 euros. Voilà, en conclusion, je dirais qu'il s'agit de deux excellentes hachettes. La X5 remplit parfaitement les fonctions de base que l'on peut attendre d'une mini hachette, telles que la fente de bois, la taille de piquet. La Grand Force remplira exactement les mêmes fonctions, mais apportera davantage de confort dans son utilisation. Plus facile à transporter, plus facile à manier, avec un meilleur tranchant. Pour ceux qui hésiteraient à investir dans l'une ou l'autre, je dirais que ça va dépendre de votre utilisation. Pour une utilisation occasionnelle de la hachette, la X5 sera parfaite. Elle offrira un excellent rapport qualité-prix, vraiment imbattable. En revanche, pour tous ceux qui vont faire une utilisation plus intensive entre guillemets de leur hachette lors de leur sortie, la Grand Force Brooks Mini Hachette est vraiment un excellent investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis au revoir et à très bientôt.